Ouais. J'étais en vacances, les gars. Je suis revenu du Mexique hier. C'était bien, ouais, c'était bien. Mais dites-vous que là, actuellement, je crois que j'ai la chiasse. Premier degré, je crois que j'ai la chiasse. Les gars, avant de commencer le petit react, je voulais du coup vous remercier parce qu'on est 30K sur Twitch. Mais aussi pour autre chose très très important, les frères. Attention. Qu'est-ce que j'ai dans ma possession? Qu'est-ce que j'ai en possession? Eh oui, les gars! Très plaisir de fou, les gars. Merci, les frères. Je fais un petit post Instagram avec le trophée. Évidemment, ça se fête, les gars. Je suis refait, frère. C'est vraiment un rêve de gosse d'avoir le trophée. Je vais l'accrocher. Bon, il y a des traces de doigts dégueulasses parce que, évidemment, je me suis un peu touché le cul avant de toucher le trophée. Alors. Mais du coup, les gars, aujourd'hui, on va réagir vraiment à des outfits, les gars. Alors, bien évidemment, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer, des outfits de vous pour la rentrée. Bien évidemment, j'ai demandé des outfits un peu loufoques, voilà. Alors, je sais, vous m'avez dit, ouais, mais Samuel, tu vas nous vanner, oui. Déjà, je remets dans le contexte. J'ai bien demandé à m'envoyer The Fit Loufoque. Petit Bob, il a mis combien de couches? Un short, la paire de sabbats, frérot, celle de Rick Grimes dans The Walking Dead. Oh, les chaussettes Lidl, j'avais pas vu. Non, les gars, là, juste pour les chaussettes Lidl, je suis obligé de mettre un au moins minimum un 8. Limité tel un joueur de Toupie Beyblade. Celui-là, je sais pas s'il est réel. En fait, il y a un bug, il m'a envoyé ça sur Instagram. Mais en fait, t'as trop la tête d'un ricain. Là, ta tête, on dirait la photo que tu l'as pris sur Google. En fait, y a rien qui va, je jure, rien qui va. Que ce soit l'outfit ou que ce soit le bac de la vidéo. Genre, c'est quoi ça? C'est dans les backrooms. Le carrelage, il y a des bouts de chaussettes. C'est très mal quoi, ils ont servi ces chaussettes. Je vous jure que je viens comme ça en cours premier degré. Il est dans un camping-car. Lui, frérot, il a tout. Il a 3 montres sur lui. Déjà, c'est ça que c'est un mec, il est ice. Il a 6 colliers. T'as mis une serviette. Peut-être que tu transpires, on sait pas. Mais alors, les gars, niveau prestance, juste la pose. C'est plus 4000 euros. Note sur 10 à cet outfit, s'il vous plaît. 9, 7, 5. Moi, franchement, les gars, je lui mets un bon petit 9,5. Hein. Chef, attends, mais lui, il a pas capté le principe. Déjà, de 1, peut-être que t'es. Comment il s'appelle? Jeunière dans Nouvelle École, on sait pas. Hein. Peut-être que c'est. Peut-être que c'est lui, on sait pas, parce que je vois, vous avez la même coiffure. Mon ref, ton outfit, il est classique, frère. Là, t'es posé, on dirait Steve dans Minecraft. Tu vas pas à l'école, il va au marché. Il a mis juste son stuff dans le sac. Bélec, Arsène Lupin, on sait pas. Le petit béret à l'inspecteur Gadget. Le petit, alors là, je sais pas ce que c'est. C'est même plus Émilie de Paris, c'est Émilie de Montreuil. Je ne sais pas si c'est tes vrais cheveux ou si c'est une perruque, les gars. Ensuite, pourquoi tu mets pas de t-shirt? Toi, tu veux juste qu'on voit tes. T'as capté. Bon, sinon, l'outfit en lui-même, frérot. Tu te mets debout, tu regardes une meuf comme As. Avec cette outfit là, je te jure que là, elle peut tomber sous ton charme. Je te jure, j'ai cru que t'étais à poil, frère. Non, frérot, je te jure, j'ai cru que t'étais à poil. Chef, attends, mais en plus, il a pris plusieurs angles, hein. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le poteau nous a envoyé 4 photos, les gars. Il faut décortiquer l'image. Première POV. Là, il nous regarde. On dirait qu'il va nous cracher dessus. Je vais noter ce que je vois. Bonnet en satin. Là, t'as accroché un chargeur à ton cou. Je bêlais que tu voulais t'étrangler. Je sais pas. C'est quoi? C'est une cravate ou une chaussette, le chat, ça? Mais alors là, la question que j'ai, c'est pourquoi t'as remonté le. Parce que je sais très bien que ton pull, il est pas aussi petit, frérot. Pourquoi tu veux nous montrer absolument ton nombril? Petit slip. DVSM. Ok, j'ai pas capté. Alors là, frérot, pourquoi pas? Non, mais les gars, là, on est là pour juger notre fit, pourquoi pas? T'as envie d'accrocher une gourde du bras à son cou? Pourquoi pas? Les gars, pourquoi pas? Peut-être dans 5 ans, on va tous s'habiller comme ça, les gars. Son slip, c'est un bout de passe. Pourquoi l'enceinte? Genre, pourquoi tu montes ton enceinte? Tu veux peut-être faire une OP pour JBL? Du coup, oui, c'était bel et bien une chaussette. Moi, frérot, franchement, je te jure, ton outfit, il est mitigé. Genre, vraiment, ton outfit, frérot, je. Non, mais par contre, ça, faut m'expliquer. Ah, t'as vraiment pris une bonne pose, t'as en mode. Non, franchement, moi, j'aime bien, les gars, y a un délire. Non, franchement, j'aime bien, moi. 6, parce que je te jure, tu me fais vraiment peur. Non, t'as vraiment fait un effort. Là, frérot, t'es trop BG. Limite, je te jure, premier degré, t'es trop BG. Limite, toi, t'es prof. Toi, vous venez ici pour la rentrée? Non, moi, je suis prof. Il a mis les baskets appelées. Oh, vous êtes des bâtards, les gars. Eh, les gars, franchement, lui, il a du flow. Mais en fait, il a trop de flow pour la vidéo. Limite, frérot, je te jure, t'es trop beau pour la vidéo. Petite cravate, la cravate, elle descend jusqu'au nombril. Ouais, c'est peu. Il commence à la rentrée du bon pied. Il a un master carrément. Non, en vrai, je vous jure, j'abuse. Non, en vrai, de vrai, plus je regarde l'outfit, plus il y a un truc. Me dites pas que je mens, s'il vous plaît. Son outfit, c'est une bêtise. Pantalon cargo pour faire un braquage sur GTA V. C'est même pas un pantalon, c'est un short. Double chemise, plus chemise. T'as vu, là, c'est pour rappeler un petit peu le style Hot Money. Son outfit, c'est un outfit de modeur. Oh my god, bro. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah frérot, t'étais en train de chier. T'as vu ma story? T'as fait vas-y, c'est quoi? Je remonte même pas mon pantalon. Hop, t'as pris la photo. Là, en fait, l'outfit il est en cours de chargement. Déjà, t'es prêt pour la physique chimie, toi. T'es prêt pour faire de la chimie, t'as mis le. Faire de la méthamphétamine, là. Bon, ça va, tu m'as mis un short assez long. Vas-y, les gars, peut-être que lui, son délire, c'est de marcher en ayant la merde au cul. On sait pas, les gars. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Attends, mais comment t'as fait, là?
Non mais là frérot t'es... Vous voyez les mecs qu'on amène dans l'hôpital psychiatrique qui sont comme ça même, attachés comme... Je vous jure que c'est ça. Mais qu'est-ce que tu tiens? C'est quoi ça? Ah non, lui je peux pas. Lui je peux pas lui. Lui les gars, je sais pas si vous voyez les stories. Vous voyez les stories, t'as à l'époque, ça faisait des stories concours de beauté. Lui, c'est, lui il a trop pris la pose du mec. Beau ou moche? Allez tous voter. Et lui il a pris la pose comme ça. Possiblement tes chevilles ne reçoivent pas le, la circulation de ton sang. Le jean il est bien. Tu vois ce que je veux dire, il est bien. Franchement, toi, t'es trop BG, frère. T'as pas trop envie que les filles aient de contact, donc tu caches ton visage, je comprends. Mais toi, t'es trop beau. Mais toi, frérot, t'es trop beau. Non, frérot, t'es trop BG. Non, arrête, frère. Il a mis un autre fit, t'es trop soin, frère. Non, on veut des autres filles qui puent le caca, frère. Ah, l'autre fit, il est trop clean, frère. En plus, les 13, bon, par contre, tu feras gaffe, hein. Là, Bélec, t'as un petit début de. Petit début de calvitie, bah, je vais pas te. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Peut-être que c'est Obito, hein. Il a voulu se tuer. Le mec, il ne se laisse aucun moyen de respirer. Comment tu respires, chef? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Attends, il m'a envoyé un autre POV. C'est toi, là. On dirait pas, il me tend la main en mode, viens, je t'apprends comment on s'habille. Tend la main en mode, venez, je vais vous apprendre l'art du vrai dribble. En fait, c'est un ninja. C'est un ninja, les gars. Là. En fait, t'as fourré ton sweat sous ta cagoule. Et là, je te jure que pendant que t'as fait la photo, t'étais en apnée. Viens, je t'aide à te relever. Là, le poteau, il a trop de flow, les gars. Il a trop de flow, mais vas-y, pourquoi un short? Je te jure, t'aurais pu mettre au moins un outfit entier de ninja, genre une robe de ninja. Il va arriver à faire. Quelle bande de pathétiques avec leur outfit de. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god, bro. Oh, hell, bon, on va même pas parler de la chambre. On va même pas parler de la chambre. T'as, aujourd'hui, je suis pas là pour parler des chambres. Peut-être que tu t'es pissé dessus. Je pense que tu t'es pissé dessus parce que t'es posé comme ça. C'est soit tu vas prendre ton envol, soit tu t'es pissé dessus. Breton à plein temps. Je crois que c'est ce qui a marqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des chaussettes que t'as attachées à tes oreilles. Ok, pourquoi pas. La sacoche Strapstar, j'aime bien. Le short par-dessus le jogging. Celui-là, on le voit souvent, les gars. Le short par-dessus le jogging. Il faut innover. Ça marche une fois, deux fois. Après, faut innover, les gars. Le petit compagnon, j'aime bien. Franchement, non. En vrai, de vrai, je suis aigri. Je jure, je suis aigri parce que l'autre fit, il est pas mal. Il est pas mal. Je vous jure que notre fille il est bien juste parce que t'as mis un chapeau comme ça. Par contre frérot, explique-moi c'est quoi ces baskets. Non frérot, explique-moi. C'est quoi ces baskets? Là peut-être que tu rentres sur un ring de boxe. On sait pas. Là t'as mis un short. Attends. À l'instant où t'as mis le short frérot, t'es devenu stérile. Je te jure que là t'es yuck, ça se doit être tellement compressé que je pense que quand tu vas les enlever frérot, tu vas tirer rouge. Pourquoi pas, le maillot il est bien les gars, le maillot il est bien. Là le short il est taille XXXXS. Et en plus les lunettes de soleil. T'arrives comme ça à la rentrée, voilà, soit ça appelle la police parce qu'on prend pour un prédateur sexuel, soit on te félicite parce que t'as du trip à mort. C'est ce qu'il faut mettre avec les défis d'anniversaire. J'ai beaucoup de choses à dire. Maman, tu te mets une claquette dans les couilles. Pourquoi? Pourquoi? Non, lui, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Non, lui, il est trop fort, les gars. Franchement, lui, déjà, il part avec 2 points en plus, les gars. Parce qu'il a fait une vidéo. Il a fait un 3-6. Qui a fait un 360 avant lui? Personne. Crampon, Mbappé, Prime, claquette dans le fiac. Là, franchement, l'autre fit, il est pas mal. En plus de ça, il nous sort le petit emote à 200 V-Bucks. Moi, franchement, les gars, moi, je valide. Non, mon gars, je te jure que t'as tué ça. Par contre, t'as trop du mal à déplacer ces autres. Juste pour la fin de la vidéo, je t'enlève un point. Non, les gars, lui, il est trop. Les gars, lui, il est trop beau. T'as vu quand ta mère, elle t'appelle pour aller descendre les poubelles? Elle a mis les sandales du daron. Carrément, elle lui rentre même pas tellement la dégrouillée. Alors, je sais pas ce que t'as mis sur tes mains. Peut-être que t'es maître Splinter. Voilà, tout y est, franchement. Moi, pour moi, les gars, tout y est. Voilà, pour moi, c'est du grand chef-d'œuvre. Il est maître Pokémon. Alors toi frérot, t'as une dégaine, t'as vraiment la dégaine du détraqué originel. Tu as la dégaine de l'ancien de la gare. Les gars, il faut toujours décortiquer un autre feed avant de le critiquer. Cache-cou bonnet, petit chapeau de paysan, pourquoi pas? Oh, pourquoi pas les gars, short façon dégradée. Et alors là par contre, je vous en supplie, c'est quoi ces chaussettes? S'il vous plaît, il y a les chaussettes, elles font du 70. Lui t'as vu, c'est la vie, c'est le PNJ, il te donne une quête. Tu vas le voir, il te dit 15 fois la même chose. Les gars, les chaussettes c'est des panini, je vous jure que les chaussettes c'est des palmes. Et le pire c'est que, t'as vu, on pourrait penser qu'il les a tirées. Mais non, elles remontent bien jusqu'au bout. Les gars, avec ces chaussettes là, les gars, tu prends plus 15 de vitesse. T'es trop ce PNJ que tu pensais être, mon frère. Ouah, attends. Mais frérot, tu es Victor Wembanyama, tu es l'Enderman. On voit même pas ses chaussettes. Il fait vraiment 2,15 km, lui. On dirait que c'est un montage. La sacoche, pas mal. Sacoche, vraiment, j'aime bien. Pourquoi tu veux sortir du cadre? Pourquoi tu veux autant sortir du cadre comme ça? Il fait un pas. Il a vraiment fait Paris-Orléans. Normal, en un pas. Mais pourquoi? Mais c'était mieux si tu portais l'outfit, tu vois. C'est une...
Il a mis des gants de boxe. T'as tout misé sur tes gros pieds, je te jure, j'ai la haine. Et c'est des pinces de crabe. Où est-ce que t'as chopé ça? Qui a ça dans ta famille? Hein? C'est qui? C'est ton père? Mon ami, je sais pas les gars, il a pris le soutien à sa daronne, la robe à sa daronne. Non franchement, je sais pas quoi dire les gars. C'est un boss Elden Ring. Et frérot, l'autre fils il est bien là frérot, genre... Par contre frérot, tu m'expliqueras pourquoi ta chambre c'est... T'habites dans Roblox, je sais pas. Elle habite dans les jeux au McDo frère. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Carrément, j'ai cru qu'il avait des ailes. J'ai cru qu'il avait des élytras sur lui. Mais en fait, non, il a mis une espèce de tunique. Ouais. Non, franchement, pour l'effort, la pose, tout, moi j'aime bien. Franchement, je mets un petit 7, les gars. L'autre vite, là, il dégage un truc, tu vois. Toi, t'es ambassadeur. Toi, t'es ambassadeur du Congo. Ah. Bah oui, j'ai dit Congo parce qu'il est. Mais là, franchement, l'autre vite, il envoie, les gars. Faut le dire. Ok. Wouh. Attends, non. Petit Kawé, il est pas old money, il est old rain. Les claquettes avec les chaussettes, ça me... Ah, je ne peux pas voir ça. Vraiment, il y a trois trucs qui m'énervent dans la vie, les gars. Les minibus, les patates douces et les claquettes avec les chaussettes. Je ne peux pas. Mais là, bizarrement, lui, ça passe. Tu vois, bizarrement, lui, ça passe. Pour moi, le fit, il est complet. C'est réussi. Je ramène les mecs de ma clique, clique. Frère, j'ai cru que t'étais à poil. Les papiers, les gars, c'est un bouc, les gars. Bon, on va passer. Yo, man, yo, bro. Non, lui, il est trop vibe, man. Il est trop high, bro. That shit slap, man, for real. No cap, bro. No cap, that shit fire, bro. Je suis insupportable. Petite pantoufle, voilà, pour être à l'aise au lycée ou au collège, évidemment. La petite cassette à Sacha de Bourg-Palais. Non, l'autre site, il est clean, les gars. Ok, un deuxième militaire. Ah, pourquoi pas un deuxième militaire, les gars. Bah, il est bon. Outfit military, military ice spice. Je vous jure, je te jure que toi, t'as un vrai flow. En plus, t'es bien accordé avec ton papier peint. Tu te dissimules dans la masse. Dis, c'est parce qu'il y a ice spice. Ah, toi, frérot, je sais pas, retire la main de ton camarade. Oh. Attends, t'es assis ou t'es debout là? Non, il a genoux. Oh, le sac à roulettes, t'as le CO2, putain, ces sacs à roulettes là, les gars. Oh, il y en avait, il faisait de la lumière et tout. Oh, les souvenirs. C'est vraiment le sac à roulettes, il faisait mal au dos. Oh, la barre, tu l'as mis sur Watt, elle faisait trop mal au dos. Pourquoi un couteau et un ustensile de cuisine? Oui, tiens, t'es un marchand. Voilà, toi, peut-être que tu veux t'installer la clignée en cours, on sait pas. Mais frérot, t'as juste mis un sac poubelle. T'es à haute fit pour me raqueter à la sortie de l'école, frère. Oh non, les chaussettes avec les tongs. Non, je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, le fit, il est incroyable, frère. Sac poubelle. Hi-ha. Lui, donne là. Une guitare dans le dos. Oh my god, bro. Oh, hell. Il a sorti la panoplie entière de Freegun. La ceinture Gucci. N'empêche, il a sorti le kit de randonnée. Le mal sur toi, ça doit être que le mal. Qu'est-ce que c'est? On dirait il a mis un chasuble. C'est quoi ça? C'est une capuche. C'est la photo, les gars. C'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Il a mis Skyros Prime. Tu vis dans la savane, frère. Wow. Non, toi, franchement. Mais c'est vraiment ce cow-boy en fait. C'est un chef-d'œuvre, mais je crois qu'on a vraiment les gagnants. En plus, ils sont réellement allés à leur rentrée comme ça. Non, les gars, ils ont gagné. Alors lui, frérot, dans une autre vie, vraiment, dans une autre vie, ça s'appelle Sandrine. Les chers Burberry, le petit truc d'inspecteur gadget, les Timberland. Les gars, tout est parfait. Mais attends, mais il a un autre acolyte en plus. Je refuse de croire que vous êtes venus pour ma vidéo. Il devait y avoir un événement, les gars. C'est vraiment les goats. Là, il est juste dans la sapologie. Ça, c'est une autre idéologie. Là, il a ramené une autre sape. Les gars, je vous jure, changez pas, les gars. Vous êtes vraiment les gars que vous pensez être. J'espère qu'après vous êtes changés, les gars. Parce que je vous jure que la directrice, ou je sais pas qui c'est, votre principale, elle a déjà appelé les autorités. GG, les frères. Bravo, les gars, GG. Les gars, GG. On peut les applaudir, les gars. Ils ont respecté le thème jusqu'au bout. Sa photo, c'est la cover de Hors Noir de Caris. Les gars, c'est vraiment des fous, les gars. Franchement, GG, merci à ceux qui ont participé, les gars. Merci infiniment pour les 100 000 abonnés. Voilà, les gars, je vous montre le trophée. C'est notre trophée, les gars. Je referai une vidéo studio bientôt, les gars, pour voilà vous remercier un peu plus. Là, vraiment, on est en stream, tu connais. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à nous rejoindre sur Twitch. Voilà, le lien du Twitch s'appuie juste ici. Mon Twitch et mon Instagram, les gars. Voilà, vous voyez, on fait souvent des reacts tous les jeudis, les gars. C'est des reacts. Voilà, la prochaine fois, on fera un autre react. Je fais de gros bisous YouTube. Portez-vous bien, les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les frères. C'était Sam, ton gars sûr. Bye bye, les gars.